Yo les gens, c'est Zach, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la carrière académique, les potes. Juste avant, comme d'habitude, les gars, je vous invite à mettre le petit pouce bleu, le petit commentaire du référencement, le petit abonnement si c'est pas fait. Merci à ceux qui font tout ça, vous êtes juste les goats. Alors, on va pouvoir continuer en espérant que cette fois, ça va passer, qu'on va pouvoir peut-être terminer la saison pour ne pas être viré. Puisque les carrières académiques, les gars, c'est une galère. Alors, ça s'était pas trop mal passé en début de saison. Mais là, on était bien redescendu au niveau du classement. Même si au niveau de la note, on est comment au niveau de note là? Je me rappelle plus, on est comment au niveau de note? 79, 79 de note. On est comment au niveau du calendrier? On est en décembre, donc on arrive à la mi-saison, c'est là où la note va commencer à vraiment descendre, surtout si on réussit pas les objectifs. Pour rappel, je me suis vraiment donné à 1000%, les entraînements sont faits. Il y a quand même, vous voyez, le moral, c'est vite fait, elle arrive vite en triste, hein. Enfin, le moral arrive vite en triste, malgré le fait que j'ai fait quelques conférences de presse et tout. Et ben, quand on gagne pas et tout, les gars, c'est toujours très compliqué. D'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas une petite conférence de presse à faire là? Non, on n'aura pas de conférence de presse à faire. Mais du coup, j'ai lu un petit peu vos commentaires. Comme d'habitude, hein, bien évidemment. Il y a un petit joueur, alors c'était Marche, mais il dit de le passer en DC, il me semble. Est-ce qu'il est dans le centre de formation, le petit Marche? Ouais, on m'a dit de le passer en DC, il sera mieux. Ouais, effectivement, vu qu'il a plus de défense que de tir. Donc on va peut-être changer son plan de développement pour le mettre en défense centrale. Mais bon, ce ne sera pas non plus exceptionnel. Et puis, je voulais revenir sur un petit truc. Ah les gars, je veux bien que des fois je gère mal les trucs parce que j'avoue qu'il y a certains trucs qui sont relous, comme faire tout le temps les entraînements. C'est peut-être aussi pour ça que les premières carrières académiques ont foiré. Il y a des petits trucs que je fais mal, mais bon, quand dans les commentaires, il y a un frérot, il me dit aïe aïe aïe, je sais plus exactement c'est quoi ces termes, mais bon, il m'a mis avec des trois petits points à la fin. Ah mec, fais gaffe, tu mets un mec qui a 61 de général au lieu de 62 sur le banc, enfin quoi. J'étais en mode bon. Bon les gars, ils ont un de général de différent, je veux bien qu'il y ait des trucs qui peuvent faire en sorte que ça se passe mal, mais là faut pas pousser quand même, faut pas pousser les potes. C'est pas parce qu'il y a un mec qui a 62 général qui est sur le banc que d'un coup on va être premier, on va monter parce que il y a un de général entre les deux frérots. Tiens d'ailleurs, juste pour voir, c'est qui le mec qui a 62 de général? Le MC qui a 62, il est où? Ah c'est un MOC, bah c'est Freeman, dont vous parliez les gars. Bah ouais, je crois que c'est... Ah non, oui, c'est lui, c'est pas le Kingham. Allez, hein, pour te faire plaisir, hein, je peux le mettre ici. Hein. Mais bon, calmons-nous, les gars. Hein. Un général de différence, je pense pas que ça fera la diff... Ah si, autre chose d'important que Mehdi. Et ça, pour le coup, ça, c'est good. Taylor, c'est le mettre sur le banc des remplaçants, hein, même si pour l'instant, il a que 42. Au moins, s'il peut rentrer de temps en temps, bah tiens, à la place de lui, c'est très bien. S'il peut rentrer de temps en temps, ça pourrait être pas mal. Et on va voir. De toute façon, on avait vu qu'en MOC ou en... Oh, il a déjà 86 d'agilité et tout. Non, en vrai, il a des vrais stats déjà, lui. Hein. Lui, les gars, je pense qu'il va prendre un très, très, très gros up. Hein. Je pense vraiment qu'il va prendre un très, très, très gros up quand il va passer sur le côté. Je crois que j'en ai mis sur le côté, hein, il me semble. On verra de toute façon. Mais je crois que ça prenait juste du temps parce qu'il a une contribution offensive faible. Hein. Il me semble. Laissez-moi vérifier ça, les potes. Si je ne dis pas de bêtises, Taylor, lui, je pense, ouais, il va prendre un très gros up. Hein. Par contre, il a déjà 18 ans. C'est entre guillemets le petit bémol. Et plan de développement, ouais, je le mettais milieu droit pour le moment. Attendez, on n'était pas passé en 4-3-3, là, juste pour vérifier. Non, on n'était pas encore passé en 4-3, donc on va laisser en milieu droit. Et puis, on verra comment il évolue. Hein. On verra comment il évolue. Allez, on va pouvoir avancer. J'ai fait les petits détails que moi, j'ai dit dans les commentaires. Et puis maintenant, il faut espérer que ça se passe bien. Ah oui, on m'a dit aussi, attendez. Un dernier truc auquel je pense, c'est par rapport à Freeman. Merde, je suis dans le classement, je fais n'importe quoi. Je me perds encore dans ces menus. Hein. C'est à propos de Freeman. Est-ce qu'il pourrait jouer MC? 41 de défense. Lui à 59. C'est peut-être un peu compliqué de le faire jouer MC, les gars. Après, on m'avait proposé de changer la composition, jouer avec des MOC. Mais vu qu'on va avoir des ailiers, des latéraux et tout, je pense que pour l'instant, il vaut mieux garder cette composition. Après, s'il n'a pas de... Ah, il a moins 8 ans. Ah oui, parce que c'est des MDC, ouais.
Oui, c'est vrai, c'est des MDC. C'est des MDC, donc c'est chiant. Je vous cache pas que c'est chiant, mais pour l'instant, c'est compliqué de le faire jouer. Sauf si je décide de le changer, de le mettre sur un côté. Mais ça me paraît compliqué. Hein. Ça me paraît compliqué. Et Vaughan, pour l'instant, le crack hein, avec Armstrong devant. Donc pour l'instant, il va rester sur le banc. Et on verra un petit peu comment ça évolue. Est-ce qu'on le changera de poste? Est-ce qu'on le vendra? J'en sais rien. En tout cas, premier match. Premier match. Une défaite. Une défaite. Je crois qu'on n'est pas très bien. Hein. On n'est pas très bien. Autre chose que je peux vérifier, attendez. Laissez-moi vérifier autre chose pour le moral de l'équipe. C'est vrai que c'est quelque chose des fois que je ne regarde pas trop. Ah, il y a tellement de joueurs qui sont malheureux, les gars. Waouh. Ah, je peux essayer de renouveler tous les contrats des mecs. Bah, je vais essayer de renouveler tous les contrats en fait. C'est simple. On va trier par général. Et tous ceux qui sont pas contents de leur contrat, même tiens, toi, t'es pas trop. Allez, hein. Juste histoire qu'ils prennent un petit peu de morale en plus et que ça parte pas en couille. Même si ça va coûter assez cher, il y a la plupart des gens qu'on ne va pas, qui vont pas être renouvelés. C'est juste pour que ça ne parte pas en couille, les gars. Donc ça va coûter de l'argent. Effectivement, oui, ça va coûter de l'argent. Lui, on sent. Bah, tu sais quoi, lui bah, je crois qu'il joue encore un hein, Grant. Hein. Bon, on va le garder, mais il est. Après, il est pas content de son contrat, mais c'est pas notre problème, ça. Je veux dire, c'est pas, il est pas sous contrat chez nous. Hein. Il n'est pas sous contrat chez nous, ouais, lui il est très malheureux. Ils sont tous en morale assez compliquée. On peut essayer de remonter un petit peu pour éviter la catastrophe. Parce que là, je sens qu'on va partir sur une série de défaites comme on en a jamais rarement vu. Hein, ça arrive assez souvent quand même. Ah, la plupart des gens, en fait, c'est ça. Hein. Le problème, les gars, c'est que même quand tu joues, prends une équipe qui joue le maintien. Et eh bien ils sont tous, bon temps de jeu je peux comprendre, mais performance équipe, performance joueur, enfin tout le monde tire la gueule quoi, tout simplement tout le monde tire la gueule quand tu commences à enchaîner les défaites et c'est très compliqué de renverser la tendance, hein. Donc là je vais quand même essayer du coup de tous leur donner un nouveau contrat, comme ça renouvellera un maximum de personnes, on pourra les vendre et prendre un petit peu d'argent si jamais à un moment on en a besoin. Hop, 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 allez, hop, je vous. Tous ceux qui sont pas contents de leur contrat, on les renouvelle. Absolument tout le monde. Je regarde même pas le niveau. Je veux juste qu'on soit bien. Voilà, là c'est bon. C'est fait, les gars. Mais il y a juste ceux qui sont en prêt. Est-ce que ça a monté un petit peu le moral? Juste pour voir si ça a eu un effet ou pas. Équipe, gestion d'équipe. Ouais, un petit peu, vraiment un tout petit peu. Hein. Ça n'a pas vraiment changé grand-chose. Surtout, je peux pas faire de conférence de presse. On va en faire une. Hein. On va faire la prochaine conférence de presse dès qu'on pourra le faire. Et risque de perdre 10 joueurs. Bah là, je viens de renouveler pas mal de monde. Là, ça devrait être bon. Et on a un petit rapport mensuel. Allez. Pour le moral du coach, ce serait bien de trouver encore de la pépitas. Hein. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est toujours pas le cas. Ok. Ok, Liam John. Liam John peut être intéressant. Il ne va pas commencer très haut, malheureusement. Mais on va le prendre, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr qu'on va le prendre. Du coup, au niveau de l'équipe centre de formation les potes et allons voir Liam John. Liam John, qu'est-ce que tu nous réserves? Tu es défenseur latéral gauche. Ouh, déjà très très rapide. Bah les gars, c'est encore un MOC ça. Hein. Je suis désolé. Hein. Et en plus, il va prendre un sacré. Ouais, non, lui, il va up de fou. Hein. Il va up de fou, lui. Hein. Là, c'est encore un MOC, les gars. Hein. 61 de passe, 62 de dribble. Ouais, 80 d'effets. 80 d'effets. Attendez, les gars. Attendez, attendez, parce que regardons dans les détails, hein, parce que c'est, il a 61 de passe, mais c'est vrai que 80 d'effets, c'est pas mal, hein, ça peut être bien pour un mec sur le côté aussi. Il a élevé, élevé, ouh, il est vraiment pas mal lui, hein. Il est vraiment pas mal, bah, ce sera soit sur le côté, parce qu'il est très rapide aussi, hein. Il est très 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 rapide, hein, 79 de vitesse, c'est rare hein, de monter aussi haut. Bah, c'est soit je le mets MDE ou MG, soit bah, je vais le mettre MG les gars. Je pense que je vais le mettre MG, même si en vrai, bah, vous savez quoi? Je vais pour l'instant le mettre MG. Et on va juste voir s'il y a une grosse diff. Je vais le prendre dans l'équipe. Et on va faire à chaque fois le petit test. Hein. Le petit test, le petit test. Quand on le met sur un poste où il serait potentiellement meilleur. Voyons voir. Déjà, hop, on va le mettre sur le banc lui aussi directement. Comme ça, tiens, à la place de. Ah non, Grant, il n'est plus titulaire. Grant, je pourrais peut-être le laisser partir du coup. Si ça peut enlever un peu de tristesse dans notre club, ça m'arrangerait. Alors je veux juste voir si je le mets. Par exemple, à gauche, à la place de Hobbs, il prend plus 9 et en MOC, il prend plus 8. Ok, donc c'est bien sur le côté. Sur le côté, il sera mieux, les gars.
Sur le côté, il sera mieux. Donc, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Il prendra un tout petit peu plus. Et du coup, bah, il va être trop fort. Vu qu'il a, il a 57 de général, il va avoir 66. Ouh, ça, c'est très bon, ça, les gars. Ça, c'est très, 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 très bon. Ok. Eh ben, avançons. Avançons, avançons. Donc, toujours pas de conférence de presse faisable. J'aimerais que, les gars, on gagne un match. Parce qu'on commence à avoir des bons joueurs, quand même. Un Pattison 65, Vaughan 68, Hobbs 67. C'est propre, hein. C'est propre, c'est propre. Donc, allez, commande. Commande, commande. 2-2. Allez, on prend des points. C'est déjà ça. À l'extérieur, Hobbs a marqué. Donc, c'est pas si mal. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Mais j'avoue que le début de saison, on était bien. Hein, on enchaînait les victoires et tout. Là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Toujours un peu triste. Je peux pas changer grand-chose pour l'instant au niveau de l'effectif. On va changer ça. Je vais l'enlever, Grant. Hein. En vrai, les gars, je vais terminer le prêt de Grant. Pour éviter que ça parte en zbeul, hein, qui est encore très malheureux. Ah, il n'y a plus de joueurs très malheureux, donc ça, c'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Mais Grant, qui est, il n'est pas content de son temps de jeu, il est content de rien du tout. On va terminer le prêt, ça coûte un petit peu d'argent, mais au moins, ça nous permettra d'éviter d'avoir des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Prêt à rêver expiration, ok. Je sais que tu peux faire mieux. Allez, mon petit John. Et coach, je me répète, pardon, mais j'ai beaucoup à gérer. Allez, mon petit Pattison. Allez, les gars, il faut retrouver un petit peu de morale. On a une petite conférence de presse. Allons la faire. Allons la faire vite fait, les gars. Alors, vous réalisez un beau parcours pour le moment. Capable de maintenir cette cadence, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Allez, on monte ce moral. Lors de votre dernier face-à-face, votre adversaire sur le score de 2-1, on ne répétera pas les mêmes erreurs. Ça augmente pas de fou. Ça augmente pas de fou. Et sur le papier, Croix Alexandra est 1. Il faut faire des changements. Ne pas sous-estimer notre adversaire. Bien joué. Comment allez-vous préparer le match? Il faut faire des changements. Bien joué. Je sais pas quoi dire là. Ne pas sous-estimer notre adversaire. Ouais, bon. Voilà, voilà. Ça a augmenté un tout petit peu. Pas grand-chose. Je pense que je vais essayer de faire les conférences de presse sur les. Sur les prochains, hein, sur les prochaines possibles, hein, tout simplement. Un petit peu de fatigue quand même là, hein. Un petit peu de fatigue, allez, hein, tant pis, hein, tant pis, on fait tourner, ça donnera du temps de jeu à certains joueurs. Attention, je crois qu'on n'était pas favoris de partout, nice, 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 nice. Je crois que c'est une des équipes, une des meilleures équipes du championnat, Crew Alexandra. Et enfin, je crois, hein, je suis pas sûr. Et du coup, là, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal d'avoir réussi à faire un match nul. Et je crois encore une fois à l'extérieur. Hein. Mildun retrouve une seconde jeunesse. Et bah écoute, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, mon frérot. Si tu es heureux. Là, on va jouer contre Newport. Ils sont juste devant nous. Bon, on a plein de messages. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Rapport sur les jeunes. Sur les jeunes, du coup, on a bon, notre gardien qui va pas être fou. Et Marsh, bah, il a toujours 15 ans. Mais on attend du coup son changement de poste. Non, qui n'est pas encore là. Ça prendra un petit peu de temps. Ah, bah dans tous les cas. Ils ont rappelé tous les prêts. Dans tous les cas, je crois que Grant allait partir de lui-même. Donc un peu le seum, on a dépensé 13 000 balles pour rien. Mais tous les prêts ont été rappelés. Ça va peut-être nous mettre un peu mieux au niveau du moral. Vu que tous les joueurs très tristes vont partir. Allez les gars, là si vous voulez me faire une petite victoire, ça fait longtemps. Bon, on va perdre. Ah là les gars, c'est compliqué, hein. Vous voyez, là, quand je suis dans ce genre de situation, je vois pas ce que je peux faire. On a les entraînements. Je fais les conférences de presse, je fais tout pour que ça aille mieux et bah, ça ne va pas mieux. Hein. Ça ne va pas mieux et du coup, au niveau du classement, bah, je crois qu'on va être dernier là. Hein. On va bientôt être dernier les gars. Hein. Je pense qu'on est 22e sur 24. On n'a qu'un point d'avance sur Walsall et deux sur Doncaster. Ouais. Après on est... Ah non, Croix Alexandra, ils sont juste devant nous. Ah, j'ai rien dit en fait, ils puent la merde Croix Alexandra. Dommage d'avoir pas avoir gagné alors. Ok, ok. Ok, 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 les gars, on fait de notre mieux, on fait de notre mieux, mais j'avoue que c'est compliqué. Très bon, le seul truc, hein, c'est ne pas être viré, hein, ne pas être viré. Au niveau de la note, est-ce qu'elle descend beaucoup? On était à 79, bon, on a pris quand même déjà un petit moins 5. Hein. Un petit moins 5 de notes, ça peut aller très très vite. Hein. Ouais, Armstrong qui sera suspendu pour ce match. Allez, les gars, il est temps de prendre 3 points, là. Allez, un partout, fuck. Allez, les gars, on est capable. On est capable d'aller prendre ces 3 points. On est capable d'aller... d'aller réussir ça et de nous mettre bien. Bon, après, on a beaucoup de matchs à l'extérieur, j'ai l'impression. Donc, c'est un petit peu chiant, mais bon. Falkingham est convoité. Bah, vas-y, Falkingham, il peut partir. Luke Armstrong a purgé sa suspension. C'est parfait. On n'a rien d'autre. Pas d'autres messages. Pas de conférence de presse possible. Bah, ça, c'est pas maintenant. Peut-être qu'on aura une conférence de presse. Offre de transfert pour Richard. 34 000 euros en échange avec Kennedy. Richard, c'est qui? Lewis Richard, il a 21 ans. Contre un petit joueur de 19 ans qui est meilleur, bah vas-y, hein. C'est quoi? J'accepte l'offre. Elle me paraît pas mal.
Et on délègue, hein, vas-y, hein, fais ce que tu veux, frérot. J'accepte l'offre, allez hop. Et du coup, toujours pas de conférence de presse possible. Allez, une victoire, les gars, on a des bons joueurs. Allez, une victoire. Une victoire, les potes. Une petite victoire, là, ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir. Et j'espère qu'on aura bientôt les changements de poste, là. Je vais voir les évolutions de nos joueurs. Let's go, on a gagné. Armstrong qui marque à la 75e et Pattison. Let's go, enfin une victoire. J'espère qu'elle va faire du bien à tout le monde. J'espère qu'elle va faire du bien à toute l'équipe. Tiens, on a encore des mails, rapport mensuel, transfert de Falkingham. Très bien. Non, je ne vais pas supprimer ce message. On commence plutôt pas mal avec Finlay Pierce qui peut être intéressant. Très bien. Voyons voir s'il y a d'autres joueurs qui peuvent être intéressants dans ce rapport. On a Archie Jennings qu'on va prendre aussi, même si je le sens un petit peu moins bien. On va aller dans le centre de formation. Et tout de suite checker ces joueurs-là. Ah bah tiens, mais on n'a même pas eu de message. Ça j'aime pas. Hein. On ne nous envoie pas de message quand les plans de développement sont terminés. Alors du coup, Marche, défenseur central, qu'est-ce que ça donne? Il avait 47 de général. Ok, il a pris un petit plus 6. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas trop mal. On va le mettre en stopper, je pense. Stopper ou défenseur central, c'est bien aussi. Ouais, ce défenseur central, c'est mieux. On va le mettre en défenseur central. On espère qu'il va bien évoluer. Bon, lui, j'espère pas grand-chose hein, de Will Leitz, qui est pas exceptionnel. Par contre, les deux nouveaux. Alors, est-ce qu'il est à son poste? On a donc Finlay Pierce qui est un défenseur latéral droit. Il a un peu de vitesse, il a un peu... Tu vois, lui, j'aimerais mieux limite presque... Ouais, quoi qu'il a 32 tirs, c'est compliqué, mais j'aurais presque envie de le mettre MC. Hein. Presque envie de le mettre MC, mais je pense que... Le passé MC, ça prendrait voilà, 68 semaines. C'est toujours super long hein, pour passer MC. Après, pour être MC, ouais, il faut de la contribution offensive. C'est peut-être aussi ça. Bon, je pense pas le passer MDC. Juste, vu qu'on joue pas avec des défenseurs latéral gauche ou droit, je vais juste le passer DD. Histoire qu'il gagnera rien, hein, mais c'est juste histoire qu'il soit sûr à 100% à son poste. Et là, on a Archie Jennings, qui lui est milieu central MDC. Bah alors... Pas du tout, hein. Pas du tout avec son 23 de défense. Il a un peu de dribble, il a un peu de vitesse. Voilà, les gars, ça va être sur le côté, hein. 47 de passe, 43 de tir. Je pense qu'on n'en fera rien d'autre qu'un mec qui va jouer sur le côté. Oh, il a faible. Alors lui, pour le coup, les gars, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Allez, t'es droitier, donc je vais te mettre à droite. Milieu droit, et puis on verra, mais ça prend 13 semaines parce que justement, il a la contribution offensive faible. Mais c'est pas fou, hein. C'est pas fou. Attendez, ça augmente les deux contributions de faire ça? Ah ouais? Bah c'est incroyable. Oh, quand t'es milieu droit et tout, ça augmente les deux contributions. Bah je savais pas, donc c'est intéressant. Intéressant, on verra comment il évolue, mais ça va prendre un petit peu de temps. Alors attendez, peut-être que là, on a des rapports, enfin des plans de développement qui sont terminés. Ben oui, John, le plan de développement de John est terminé, les gars. Allons voir John, qui, je pense, devrait prendre beaucoup, vu qu'il était défenseur latéral gauche avec 38 de défense. Allez, il est à 62. Ouais, il a pris moins que ce qu'il aurait dû. Il me semble qu'il devait monter un petit peu plus que ça. Mais bon, c'est déjà ça. J'aimerais bien que tu augmentes un peu tes dribbles. Pourquoi pas ça, vu que tu montreras ton mauvais pied en même temps. Allez, pourquoi pas. Et on a Taylor, du coup, qui est terminé. Taylor, lui, devrait prendre un sacré up. Hein. Taylor, on avait dit, normalement, lui, c'est un très gros up. 58, ça reste un très gros up. Hein. Il avait 42, donc c'est un plus 16. Mais il n'a pas encore les 62 général. Et pour l'instant, il n'évoluerait pas super vite. Je veux qu'il augmente sa contribution offensive. C'est important. 86 hein, d'agilité, hein, c'est propre. Hein. 70 de dribble et tout. Il a des belles petites stats, hein. Il a des belles petites stats, le petit Taylor, qui du coup bah, sera un bon remplaçant pour le moment. On peut peut-être voir du coup la mention de... il était monté à combien? 62, je crois. Hein. C'est qui? C'est John. John qui est doté d'un énorme potentiel, très bien. Bah, du coup, on va pouvoir peut-être le mettre titulaire. Hein. Liam John, les gars, il va être titulaire. Hein. Il va être titulaire, Liam John, à la place de Thompson. Hein. Thompson, mon frérot. Tu vas t'en aller et Liam John va prendre ta place pour le moment. Bon, je l'avais mis milieu gauche. Bon, c'est pas très grave. Il va jouer à droite un petit peu. Il n'est pas pénalisé pour le moment. Après, lui, il est milieu gauche droitier. Est-ce qu'on met un droitier à droite? Bon, pour l'instant, c'est. On verra. Pour l'instant, on n'en est pas encore là.
On n'en est pas encore là, les gars. On va pouvoir avancer tranquillement. Votre action requise. Quoi? Lewis Richards et son agent ont trouvé un accord. Ah, ok, pardon. Pardon. Donc, on accepte l'offre. Et puis on accepte l'offre. Je prête Horbury qui va pas jouer. Offre acceptée pour Kennedy. Il faut que j'accepte encore. Non, c'est bon. C'est fait. Tout est bon, les gars. C'est nickel. Et du coup, là, il faut. Jameson, il faut l'enlever. Jameson, il faut le vendre. Jameson, il a le moral au plus bas. Et ça, faut vite. Allez hop, Jameson. Bah, il est déjà sur les transferts. Allez, mon petit Jameson, s'il te plaît. Va-t'en. Pour éviter tout problème. Tiens, hop là. La petite arrivée, bon celle-là on s'en fout un petit peu. C'est pas très grave. Enfin, c'est pas très important plutôt. Nous, ce qu'on veut de toute façon, c'est des pépitas. C'est des pépitas. Alors les gars, allons-y. Si on pouvait faire une autre petite victoire. Là on a Hobbs, on a John, on a Vaughan en petit crack. Ce serait bien d'aller gagner encore des petits matchs là quand même. Hein. On serait content. On fait un partout contre Barreau. Dommage, on avait dominé. Mais on aurait pu perdre. Au final, on fait un petit match nul. On va s'en satisfaire. C'est des points pris au niveau du classement. On est toujours 21e. Ah non, on est monté un petit peu. Oui, on est monté devant Croix-Alexandra. Ok, on est... On va voir exactement où est-ce qu'on pourrait remonter là. Si on enchaînait 2-3 victoires. Ah ouais, on peut monter 16e. Ce serait bien. On est qu'à 3 points de la 16e place. J'avoue que là... Monter 16e, ce serait pas mal du tout. Hein. Putain, mais j'ai l'impression qu'on a que des matchs à l'extérieur tout le temps. Des matchs à l'extérieur. Allez, faisons... Merde. Ah, c'est le réflexe, je voulais faire la conférence de presse. Quel débile. Allez, dis-moi qu'on va quand même gagner. Let's go. Oui, et John qui met son premier but, les gars. Sous les couleurs d'Arrogate Town et Armstrong qui plante encore. Let's go. Voilà qui fait plaisir. Voilà qui est très satisfaisant d'aller prendre une victoire. En plus, à l'extérieur, on a une offre de transfert pour Armstrong. Alors lui, pour l'instant, on va le garder. On va clairement le garder. Armstrong, on en a une autre. Ok. Clairement, eux, on les garde pour le moment parce que c'est notre petit crack. Hein. C'est notre meilleur joueur pour le moment. Donc, il faut le garder. Et on arrive aux dernières heures de transfert qu'on va gentiment sauter. Parce que ça ne va pas m'intéresser de les faire. Hop. On va gagner du temps. Voilà qui est fait. Tout le monde est content. Tout le monde est heureux. On a quelques petits mails. On a les rapports sur les jeunes. C'est toujours intéressant à voir. Eh, mais il ne m'envoie plus de... Ça va pas, ça. Hein. Allez, Pierce, du coup, qui avait perdu un petit peu de potentiel. Voyons voir. Il avait 54 de général. Non, je suis bête, oui, c'est lui qu'on passait juste d'aider. Il a quand même pris un plus 1, hein. Il a quand même pris un petit plus 1. Là, c'est ce qui serait de plus rapide, mais... on est qu'à une semaine de différence, hein. Je vais le mettre latéral inversé, comme ça, il aura 5 étoiles de mauvais pied, et ce sera très très bien. Et Jennings, lui, ça va mettre encore du temps. Bon travail. Oh, ça c'est bien. Ça c'est très très bien, les gars, investir dans la qualité de notre équipe à long terme, en achetant des jeunes joueurs. Là ils sont plutôt contents sur ce point là et ça c'est bien, ça nous fait remonter un petit peu la note je pense. Allons voir cette petite note, les gars. C'est où déjà? Oui, c'est là, objectif. Montre moi la petite note. 80, oui les gars, ça sent bon, du moins pour cette première saison, les gars, ça sent plutôt bon, hein. Offre on a déjà des offres de 5 millions pour Hobbs, jamais de la vie, hein. Hobbs qui évolue bien, les gars. Hobbs qui évolue très très bien. D'ailleurs, ça fait quelques mois là, il faut que je revoie les plans de développement de nos jeunes. Du coup, on a qui? On a John. Bon, lui, John, il vient d'arriver. Mais un petit Freeman, par exemple. Freeman, j'aurais presque envie de le prêter, Freeman, les gars. Vu qu'il joue pas titulaire, je sais pas trop. Bon, pour l'instant, il râle pas. Donc ça, c'est quand même le bon point. Mais j'avoue qu'après, il doit jouer un petit peu, hein, pas énormément. 10 semaines. C'est vrai que lui, ouais, hein, on va lui mettre 9,5. Hein. Il faut qu'il augmente sa contribution offensive. Hobbs qui a l'air d'être plutôt en forme. Qu'est-ce qu'on lui augmentait là? Qu'est-ce qu'on lui augmentait à Hobbs? Toujours sa contribution, ouais, il va être bientôt bon parce que j'avoue que les passes pour l'instant ce sera pas le plus important. Et lui aussi il a des stats, les gars, 83 d'agilité, 66 de calme, 79 de conduite de balle, il a déjà 76 de dribble, 80 d'accélération. J'avoue qu'après ce sera peut-être ça pour lui augmenter son mauvais pied. Comme ça en même temps il prend un peu de vitesse, il prend un petit peu de finish et un petit peu de dribble et d'équilibre. Ouais, non, c'est parfait, mais je veux juste attendre qu'il termine d'avoir sa contribution offensive à fond, et des mecs qui ont 18 ans, donc on a Taylor qui vient de passer aussi, lui, ouais,
Ouais, je pense que c'est pareil. En contribution offensive, il faut qu'elle soit forte. Et Vaughan. Vaughan, lui aussi, hein, il a besoin de sa contribution offensive forte. Donc, 15 semaines quand même. Hein. 15 semaines, c'est un peu long. Hein. C'est un petit peu long. Ah oui, aussi, j'en ai pas parlé, je crois, dans cette carrière. Mais le bug des mentions, c'est apparemment patché. Donc, apparemment, c'est good. Mais par contre, ça ne prendra pas effet sur cette carrière. Hein. Je l'ai commencé avant la mise à jour pour le bug des potentiels des joueurs. Donc, il est possible. Il est possible, les gars, tout simplement, que eh ben, on soit en galère au niveau du potentiel de nos joueurs. Ça, c'est pas impossible. Pattison qui nous a doublé. Bon, dommage, on n'a pas gagné. Mais c'est pas impossible. Et si c'est vraiment un jouable, ben, on fera peut-être une dernière de chez dernières tentatives avec cette fois-ci. Avec cette fois-ci bah, le bug 100% résolu. Parce que si j'avoue que tout le monde perd de la mention, ça dépend à quel point ils perdent de la mention. Après, il y a normalement le petit truc de les prêter pour qu'ils récupèrent leur mention. Bah, faudra voir, faudra vraiment que je regarde comment ça se passe. Si c'est vraiment trop chiant, bah, faudra recommencer encore une fois. Hein, parce que si vraiment tous tes joueurs, absolument tous tes joueurs perdent de la mention après chaque saison, bah, personne ne montera à 90 de gêne et bah, c'est un petit peu le but. Victoire, la cool. Headley qui a marqué. Oula, John, c'était pas cool. Hein, pourtant, on était à 10 depuis la 33e. Mais on va gagner contre Gillingham. Donc, on verra comment ça se passe au niveau des prochaines saisons. On verra directement, hein, on verra directement dès la prochaine saison si nos petits jeunes ils ont perdu tout leur potentiel. Ouais, j'avoue que ce sera un petit peu compliqué. Alors, demande de transfert de. Oui, mais personne ne veut de lui, donc je ne peux rien faire, frérot. Laisse-moi tranquille, on a un petit rapport mensuel. Ce sera sûrement le dernier, oui, ça ferait déjà bientôt une demi-heure. Ça fait déjà bientôt une demi-heure. Bah, il n'y aura personne. Pas déçu. Déçu, il n'y a personne. Là, maintenant, il faut que ça marche sur le terrain. Sur le terrain, les gars, il faut que ça marche. Let's go. Armstrong triplé. Oh là là, Armstrong. Armstrong, les gars. Hein. Armstrong, il est chaud. Hein. Il est chaud. Il nous met un triplé. Un magnifique triplé qui nous permet de prendre une victoire. Et on devrait monter un petit peu au classement, là, non? Avec cette victoire, on est 17e. J'en parlais justement, les gars. J'en parlais justement de cette 16e place. Maintenant qu'il n'y a plus qu'à un petit point. Et en plus, on a un match en retard, même sur Gillingham. Donc, si on gagne, on peut potentiellement revenir à la 15e place. C'est bien. C'est très, très bien, ça, les gars. Ça, c'est des nouvelles qui donnent le smile, comme on dit. Hein. Comme on dit. Alors, on a les petits mails. Qu'est-ce que c'est? Suspension purgée. Et j'étais plutôt en forme. On y songera, Thompson. Même si toi, il va falloir que tu t'en ailles aussi, hein, puisqu'il va commencer à râler. Mais mes priorités aux jeunes, hein, déjà qui vont sûrement perdre du potentiel. On va les faire jouer un maximum cette saison. Victoire 1-0 et encore Armstrong. Let's go, les gars! Allez, c'est une bonne fin de saison, là. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je suis plutôt content. On est qu'en février. J'avoue que je n'ai pas trop, trop avancé. On finira pas la saison aujourd'hui. On a le rapport mensuel. Enfin, du coup, le rapport sur les jeunes. On marche, les gars. Bon, on va le garder, hein, parce que pour l'instant, on n'a que des merguez, hein, mais 82, c'est pas la folie furieuse. C'est pas la folie furieuse, il faut toujours attendre pour Jennings. Très bien, récompense reçue. Oh là là, manager du mois, les gars. Manager du mois, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, ne ressasse pas trop. Lui, il va vite saouler, hein. Faudra rapidement le jarter, Thompson, sinon ça va être chiant. On est heureux. Bah, c'est parfait, les gars, ça y est, le moral. En fait, c'est juste ça, le moral, les gars, c'est juste avoir des bons résultats. Hein. C'est 90% ça, hein. C'est clairement 90% ça. Un partout, dommage. Dommage, on n'a pas gagné. Ça aurait été bien d'enchaîner encore les victoires. Mais bon, faut pas trop en demander non plus. Faut pas déconner. Allez, on se fait un petit dernier match. Allez, on fait les deux petits matchs là, les gars. Et puis on arrêtera ici. On arrêtera juste avant Doncaster. Quoique, allez, est-ce qu'on fait pas les trois vu qu'ils sont collés? On joue donc d'abord contre Carlisle United. Ce serait bien de faire une victoire. C'est une défaite. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas perdu. On va dire que c'est pas très grave. Là, on va faire tourner, je pense. Hein. On va faire tourner ici. Parce que compliqué. Là, tant qu'on est heureux, les gars, je fais pas les conférences de presse. Hein. Tant qu'on est heureux, je fais tourner. On a personne là pour jouer à la place de Vaughan? C'est quoi ce. Bah, Freeman, tu le. Il est où, Freeman? Il est là. Bah oui, il y a Freeman qui peut jouer là. Vous êtes fous? Vous êtes fous, donnez-lui du temps. Il faudra que je refasse l'équipe bis. Hein. Faudra que je refasse l'équipe bis. Allez, petite simulation rapide. On va voir ce que ça donne. Oh là 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 là, le 5-0 dans notre bouche, là, je m'y attendais pas. Hein. Je m'y attendais pas, les gars, on a pris super cher. Oh, le 5-0 dans notre bouche, aïe. À l'équipe bis qui avait plutôt bien performé jusque-là, mais là, le 5-0,
Il fait mal, hein. Il fait très 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 mal. Allez, dernier match du coup. Dernier match, on retrouve l'équipe 1 en pleine forme. Et Vaughan, les gars, qui a quasiment 70 de général. Hein. John, ok. Et Hobbs aussi, hein. Ça progresse plutôt rapidement. Donc je suis content. Et c'est un 2 partout, dommage. Contre notre ancien club, hein. Pattison et qui avait marqué Armstrong. Ok, les gars. Bah pour l'instant, c'est pas trop mal. On est quoi? On est au mois de février, mars, un truc comme ça. On est au mois de mars. On est au mois de mars. Et juste pour regarder la note, on a toujours le pouce levé. Donc il n'y a pas de problème, 76. Normalement, on ne devrait pas se faire virer, sauf catastrophe. Sauf si on enchaîne full défaite jusqu'à la fin. Je pense qu'on ne devrait pas se faire virer au niveau du classement. Au niveau du classement, on est quand même pas trop mal. On est 17e. On n'est pas si loin des 15e places et tout. Ouais. Il y a peut-être encore moyen d'aller chercher, si ça se passe très bien, peut-être une 12e ou 13e place. Faudra voir. Faudra voir au niveau du calendrier aussi. Il reste combien de matchs exactement? Non, c'est pas là que je voulais aller. Combien de matchs il nous reste? Combien de matchs il nous reste? Il nous reste un match ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il nous reste 9 matchs. Ok, bah on terminera la saison dans le prochain épisode. Allez les gars, nous on va se laisser ici. Comme d'habitude, si ça vous a plu, bah n'hésitez pas à liker dans les commentaires. Me dire un petit peu ce que vous avez pensé. Si vous avez vu encore une fois que j'ai fait des petites dingueries par rapport à des joueurs, des petits changements de poste et tout, bah n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, je prends vos conseils bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner. Bah ouais les gars, abonnez-vous les gars, ça me fait toujours plaisir de voir que ce petit chiffre d'abonnés augmente, surtout qu'on a un objectif, c'est les 30 000 avant la fin de ce FIFA, donc je compte sur vous pour qu'on y arrive. Merci à tous ceux qui le font, et puis voilà, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo sur FIFA 23. En attendant, je vous fais des bisous, et je vous dis bye les gens.